dernièrement une conversation très enrichissante. Dernièrement, lors des sessions précédentes. Malheureusement, le relais n'est pas là encore, le relais de la langue anglaise. Le relais n'est pas là. Sur la souveraineté de l'Internet, la deuxième partie sur la fragmentation de l'Internet et de l'infrastructure. Je répète encore une fois, il y a des problèmes techniques. Maintenant, tout va bien. Il y a le relais, d'accord. Oui, cet aspect transfrontalier, c'est une nouvelle norme. Cette coopération doit se faire non seulement entre des pays spécifiques, mais entre des entités concernées, des sociétés de technologie, des académiciens et les organisations globales. Dans un vote que nous avons mené dans le contexte du développement de notre réseau pour un rapport que nous avons rédigé l'année dernière, 95% des répondants de l'enquête ayant participé à cette enquête ont voulu que, ont considéré que cet aspect transnational allait devenir de plus en plus important et qu'il y aurait beaucoup plus de coopération au niveau international. Donc, à ce moment-là, la souveraineté numérique devient de plus en plus populaire comme thème. Je ne vais pas maintenant citer toutes les personnes qui ont déjà utilisé ces mots, et c'est parce que c'est un peu trop controversé. Pourquoi controversé? Parce qu'il n'y a pas de définition unique de ce qui se cache derrière ces mots-là, parce que ce sont des mots pesants et lorsqu'on les utilise, il faut bien les comprendre et savoir ce que quelqu'un veut dire par cela. Donc, dans cette colocation, c'est pour cela que nous avons organisé aujourd'hui ce débat. Nous allons commencer par la question suivante. Est-ce que la souveraineté numérique est une solution ou un problème? Bien sûr, on peut aussi imaginez bien sûr que cette courte session de 90 minutes ne va pas résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais notre objectif est qu'on comprenne mieux à quel point c'est un problème complexe et pluridimensionnel, ce qui est très important aussi. Il faut savoir quelle est la position des acteurs concernés du processus. Nous avons donc affaire à un problème
comment. C'est-à-dire comment appliquer, développer les règles évitant le fonctionnement de l'Internet et quels sont les rôles joués par des entreprises, les sociétés civiles dans tout ce processus-là. Comme l'a déjà dit Jennifer, il y aura trois piliers sur lesquels nous allons nous concentrer. D'abord, la souveraineté des données. Après, la fragmentation du contenu. Le troisième pilier va concerner la coopération et les relations entre la politique et les questions liées à la technologie. Nous avons 90 minutes pour se référer à tous ces sujets-là. Nous avons parmi nous des intervenants exceptionnels. Lorsque je vois le nombre de participants, le nombre de personnes qui nous écoutent, je sais que ce sont de grands experts. La société représente donc une grande expertise, un grand savoir-faire. Au lieu de poser quelques questions à la fin de la session, je vous encourage à écrire sur notre chat, à commenter, à faire des remarques en fonction de ce que vous entendez dans vos présentations, de dire ce qui est, selon vous, vraiment important. Et je vous prie d'appliquer la règle de respect mutuel, parce que notre objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de mener une bataille, mais de se respecter les uns les autres, les opinions des autres. Lorsque je rédigerai le rapport de cette session, je vais essayer d'inclure les commentaires du chat dans ce rapport. Si vous avez des questions concrètes, veuillez utiliser la fonction Q&A. Et moi-même, je vais essayer de suivre l'afflux de toutes les questions qui nous parviennent pour pouvoir les inclure dans le débat qui suivra. Maintenant, il est temps de passer au contenu spécifique, au cœur du sujet de notre session. Maintenant, je vais présenter deux questions qui feront l'objet de votre vote. Veuillez répondre. La première question est vraiment simple et elle est strictement liée au titre de notre session d'aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que la souveraineté numérique est un problème ou une solution? Donc, veuillez marquer la réponse choisie, si c'est partie du problème ou ni un problème ni une solution ou d'autres réponses. La deuxième question nous introduit dans notre débat, c'est-à-dire quelle est la signification de la souveraineté des données? Est-ce que vous êtes d'accord? Pas du tout, un peu d'accord ou en désaccord total. Je vous donne maintenant quelques secondes pour remplir ce questionnaire, pour répondre à ces questions-là, juste pour savoir quelle est la situation, quelles sont vos convictions par rapport à ce sujet-là, quelle est votre position en ce qui concerne la souveraineté numérique. Donc, je vais laisser encore pendant une minute sur l'écran les questions que vous voyez maintenant. Je pense qu'il serait intéressant de voir les résultats de ces questions introductrices parce que ce n'est pas un sujet facile, il est très complexe. Je voudrais donc comprendre quel est notre point de départ. Est-ce que les techniciens pourrait m'aider et afficher les réponses. Est-ce que nous avons déjà la majorité des réponses? Si oui, eh bien, peut-être l'on pourrait clore cette partie, cet onglet. Oui, nous arrivons à 70% des votes. Oui, on peut terminer. On arrive à 70% des votes. Oui, donc, je répète. Veuillez utiliser le chat. Vous pouvez vous présenter sur et poser vos questions, même de saluer les uns les autres. Vous n'êtes pas vus depuis longtemps. Si nous étions en Pologne, on pourrait se voir en personne. Maintenant, si nous sommes en ligne, c'est possible. Ce type de contact sur le chat a aussi une grande importance. D'après ce que je vois, bon, le vote est terminé. Est-ce qu'on peut voir les résultats? Oui. Voilà. C'est comme ça que ça se présente.
Très bien. Il me semble que c'est un message assez parlant. Et je sais à quoi je m'attendais d'ailleurs. La plupart d'entre vous concernent que la souveraineté numérique constitue une part du problème, une part d'une solution. Mais pour les autres réponses, c'est un bon pronostic parce que elles ont aussi été marquées par beaucoup de personnes. En ce qui concerne la deuxième question, cela nous montre que la souveraineté numérique n'est pas une colocation claire. Il faut bien l'expliquer. Merci d'avoir présenté les résultats du vote. Maintenant, je vais passer à la première partie de notre débat. D'ailleurs, c'est un passage naturel de passer de la deuxième question au premier pilier, c'est-à-dire à la souveraineté des données. Dans ce domaine, il y a une grande tension entre le flux libre des données et la souveraineté des données. Commençons par le représentant du ministère allemand de l'économie et de l'énergie. Je comprends que l'Allemagne attache beaucoup d'importance à ces deux sujets au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, la Commission européenne a beaucoup parlé récemment de la souveraineté numérique. D'après ce que j'ai compris, l'Allemagne ne voit pas ce concept en tant que concept unique. Donc, comment faire le lien entre le flux libre de données et comment naviguer le flux libre de données et la souveraineté numérique? Oui, merci beaucoup Bertrand. Bonjour. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants de ce débat. Tout d'abord, je voudrais féliciter Bertrand et tous les autres collègues, Jennifer, d'avoir organisé cette session. Et je vois que nous avons un grand nombre de participants, plus de 100 personnes, presque autant que lors de la session du Perse. Cela nous montre que c'est un sujet très important. Lorsque nous avons procédé au vote, l'on pensait si c'était un concept clair ou non. Je me suis rappelé une chose. Lorsque j'étais jeune, lorsque le monde était divisé en deux blocs, et d'autre part, il y avait des gens luttant pour la liberté dans les deux pays, et les adversaires, c'était toujours des terroristes pour l'une des parties. Je pense pour ce qui est de la souveraineté des données, les choses se présentent d'une manière similaire parce que tout dépend du point de vue de la personne concernée et comment l'on définit ce phénomène. Est-ce que c'est quelque chose que nous allons protéger ou bien c'est une menace à l'ordre qui règne sur Internet, cet espace étroit qui est là en Allemagne, en Europe et partout dans le monde. Et ça nous concerne tous parce que nous voulons en Europe et en Allemagne avoir la possibilité de s'autodéfinir en termes de questions liées à la numérisation, non pas au niveau national seulement, mais nos entreprises, nos instituts de recherche et la société civile, ils sont tous concernés parce que c'est très important pour eux tous. Ils veulent avoir la possibilité de contrôler leurs propres données, leurs propres technologies. Je parle ici aussi de nouveaux modèles de business. C'est une tendance naturelle. Chacun de nous a tendance à faire ça. Nous, en Europe, nous avons affaire au flux libre de données, au commerce libre. Donc, ce sont les solutions que nous avons toujours promues. Donc, lorsque nous parlons de souveraineté, nous ne voulons pas parler de protectionnisme. Nous ne voulons même pas parler d'être auto-indépendant, autosuffisant. Mais ce que nous voulons éviter, c'est la création de certains îlots ou silos entre nos régions. Nous
comment, dans ce contexte-là, obtenir un équilibre? De notre point de vue, si nous avons l'objectif que je viens de définir, un objectif commun, il vient de se regarder dans le miroir et de penser, de réfléchir. Nous voulons avoir un bon potentiel, nous voulons être des leaders dans ce débat, dans cette recherche. Alors, il ne s'agit pas de créer des frontières. Il ne faut pas qu'il y en a qui sont plus pauvres que nous. Il ne faut pas détruire le réseau que nous avons construit. Il faut, au contraire, il faut l'améliorer. C'est ce que nous voulons faire d'ailleurs en Europe, c'est-à-dire agir mieux que jusqu'à maintenant. Nous regardons maintenant quelle est notre stratégie concernant les données. Nous regardons quelles sont les ressources humaines, quel est notre potentiel? Potentiel dans chacun des pays européens. Et nous menons toute une série de recherches. Tout cela pour faire le lien entre les structures déjà existantes et créer un nuage de données communs européens. Grâce ou à travers la coopération, l'activité, l'action commune, l'on pourrait obtenir quelque chose de meilleur. Si je pouvais me référer à ce que tu viens de dire, vous avez parlé du projet Gaïa-X que vous menez. Comment ça se place par rapport au concept de localisation de données? Est-ce que c'est un espace de coopération ou commercial? Je comprends que il y aurait des événements importants qui pourraient avoir lieu bientôt, oui, en ce qui concerne Gaïa-X. Oui, à vrai dire, il ne s'agit pas de localisation de données, parce que ça pourrait impliquer que les entreprises du monde entier, non seulement de l'Europe, ont dit que faut utiliser les ressources, les trésors cachés, qui sont par exemple cachés dans les instituts de recherche, dans les PME. Et l'idée est telle qu'il faudrait collecter, rassembler ces données pour que chacun introduise quelque chose dans cette ressource pour qu'il puisse ensuite en profiter des données qui ont été fournies par d'autres entités. On peut penser que c'est peut-être de la localisation du point de vue des réglementations, bien sûr, parce que de tels projets comme Gaïa-X doivent être conformes à la réglementation sur la protection des données et d'autres lois antitrust. Donc, il y a ici un aspect de propriété régulatoire européenne, mais il ne s'agit pas que ce soit entièrement fermé. Maintenant, nous voulons mettre en place une unité centrale de pilotage qui pourrait nous permettre Si j'ai bien compris, de rassembler, de commencer à si j'ai bien rassembler les compris, données que nous voulons donc rassembler. ici, Si j'ai il bien y a cette compris dimension de qu'il y a une partage de données. dimension de Bien partage sûr, de il données. y a bien sûr certaines restrictions, certaines limitations liées à ce Merci partage. beaucoup. Je vous remercie pour votre intervention. Et maintenant, le panéliste suivant. Donc, la personne que je voudrais maintenant inviter, c'est Paul Mitchell, qui représente Microsoft. Comme vous savez, Microsoft faisait partie de tout ce qui se passait en ce qui concerne la localisation des données en Irlande. Donc, je voudrais poser la question très essentielle. Est-ce que le stockage très physique des données a du sens? Et aussi, est-ce que nous pouvons aussi déterminer cela chaque fois?
Donc, la réponse à ces questions est peut-être, probablement, parfois. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait répondre. Il me semble que la réalité concernant la souveraineté et les données, si nous revenons maintenant à cette question irlandaise, donc la réalité est la suivante. Cet univers numérique se présente de façon suivante. Ce qui est essentiel peut être échangé, peut être partagé, mais de l'autre côté, nous pouvons ne pas le partager. En ce qui concerne certains concepts économiques, par exemple, moi, je peux avoir une donnée et tu peux avoir la même donnée. Nous pouvons donc utiliser ces données en même temps. Mais en revanche, si j'ai du matériel, comme par exemple du bois, je peux utiliser ce bois, mais tu ne peux pas utiliser mon bois en même temps. Donc, c'est ce caractère numérique qui a largement changé la façon dont les États, mais aussi les organismes comme Microsoft, peuvent peuvent fonctionner. En ce qui concerne la souveraineté, nous devons savoir que les données qui proviennent de régulations bien concrètes, lorsqu'on nous a demandé de dévoiler les données qui étaient localisées en dehors du centre aux États-Unis, comme c'était le cas en Irlande, ce cas a été finalement résolu et a donné lieu à une loi concernant les données stockées en nuages. Cet acte légal, cette loi, détermine les opportunités, mais aussi les obligations des sociétés ou des propriétaires des données aux États-Unis en ce qui concerne notamment le dévoilement de données. Donc, ce sont par exemple les services de poursuite, les services spéciaux ou autres qui peuvent demander l'accès à ces données. Mais l'essentiel, c'est que nous vivons maintenant une situation tout à fait nouvelle. Les anciennes règles qui concernaient par exemple le contrôle de ressources ne fonctionnent plus. Et tout cela nous a conduit à cette discussion et aussi à certains conflits légaux, juridiques. Et il me semble que pour cet univers numérique, ce qui constitue un grand défi, c'est la façon dont nous pouvons rationaliser différentes approches. Nous avons donc parlé de la souveraineté d'une part. Et cette question était plutôt prévisible. La souveraineté fait partie du problème et fait partie également de la solution. Voilà, donc elle a différentes dimensions, cette souveraineté. Il me semble donc que, apparemment, c'est une erreur de se concentrer uniquement sur la souveraineté en tant que telle. Il faudrait plutôt orienter cette discussion dans un autre sens pour permettre le développement social et économique. Il faut que ça soit une ressource commune, une ressource partagée. Et donc, pour qu'on puisse la partager comme ce n'était pas le cas lorsqu'on parlait de ressources physiques, comme le bois. Quand on parle de cette manque de ressources, cette pénurie, c'est quelque chose qui est parfois sous-estimé lorsque nous parlons de l'économie numérique. Donc, l'échange, le partage des données, c'est quelque chose qui est quand même limité par le potentiel de la création de valeur. Mais il y a aussi une autre dimension qui est aussi visible. Et tu l'as déjà évoqué, c'est le caractère territorial de la souveraineté. C'est pourquoi j'ai demandé si la localisation de données doit être est importante, ou bien la question à poser serait plutôt qui la contrôle, qui crée la valeur. Oui, là, cette réalité pratique pour les données, c'est que ça n'a aucune importance où les données sont stockées. Donc, Microsoft a différentes localisations partout dans le monde, Amazon ou d'autres grandes sociétés en font autant. Donc, tous ces fournisseurs de nuages stockent leurs données dans différents endroits. Ça n'a pas d'importance l'endroit si nous pouvons y accéder. C'est là
crée des questions très complexes concernant la gestion de réseau. Qui sera l'opérateur? Quelles sont les règles pardon, de gestion de différents segments de réseau qui sont connectés entre eux? Donc, tout cela permet un échange global de données et cela crée aussi de distorsions dans la façon dont on gère les données. Nous avons cette tendance à penser en données comme à une certaine ressource, mais la valeur de ces données augmente si le volume de données augmente et si leurs corrélations sont contrôlables en quelque sorte. Plus de données nous avons, meilleurs seront les résultats, les livrables. Par exemple, lorsque nous avons des formations ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est une façon tout à fait différente par rapport à celle qu'on a utilisée dans le passé où il y avait les ressources physiques. Donc, autrefois, on avait une autre façon de penser. On se concentrait sur certaines zones de libre-échange de données, comme il y a par exemple des zones dans le port. Donc les navires peuvent décharger leurs conteneurs qui se trouvent dans ces zones protégées. Donc nous avons au début commencé à penser qu'on pourrait faire la chose à peu près similaire pour les données. Mais jusqu'à présent, non, ça n'a pas été créé parce que tout ce modèle était fondé sur le fait que certaines ressources n'étaient pas suffisantes. Il me semble que cela est très important, c'est un élément vraiment important. Et il me semble que ce que tu soulignes, c'est la difficulté d'utiliser le cadre mental actuel qui est caractéristique pour les produits, marchandises physiques, l'appliquer par rapport aux données qui sont une chose tout à fait différente. Et encore une chose, lorsqu'on se préparait à cette réunion, nous avons mentionné quelque chose qui s'oppose à la fragmentation. À ma connaissance, Microsoft utilise une sorte de protection de la vie privée, quelque chose comme RGPD, règlement sur la gestion des données à caractère personnel. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, et ça c'est très important. Lorsqu'on parle de données et d'éléments d'actifs, et si on veut passer aux données qui concernent, qui ne concernent plus l'économie, mais qui concernent un individu, ici le RGPD parle de ce cadre de la vie privée et de sa protection en faveur des citoyens. Et Microsoft a pris la décision d'appliquer, d'utiliser le RGPD ou la protection telle que pour RGPD pour tous ceux qui sont clients de Microsoft. Cela a du sens. En même temps, aux États-Unis, Microsoft fait une pression pour qu'il y ait une loi fédérale concernant la vie privée. Nous croyons qu'il serait beaucoup mieux d'avoir un cadre commun pour la vie privée qu'une cinquantaine différents cadres qui sont ensuite applicables dans différents États aux États-Unis. En conséquence, donc, notre position est la suivante, que la vie privée des données personnelles est vraiment cruciale partout dans le monde. Oui, c'est important. Lorsque nous parlons de la fragmentation, il y a aussi des tendances opposées qui sont liées à l'harmonisation. Donc, cette protection de plus haut degré, de plus haut niveau est importante. Dans la question, nous avons un commentaire de monsieur qui dit que la souveraineté n'est pas le seul sujet ou la souveraineté numérique n'est pas le seul sujet qui n'est pas clair, qu'il y a beaucoup de discussions qui se déroulent autour de la définition de ce concept. À part cela, il y avait aussi un commentaire à comment nous pouvons comprendre de la même manière la souveraineté numérique et créer des règles générales communes pour cette coopération numérique. Voilà, donc ce sont les choses que nous avons déjà abordées
Quelles sont donc les règles pour les services en nuage qui sont accessibles? Je voudrais dire que ça doit être. Je voudrais m'adresser ici à Monsieur Okuda, qui est le directeur régional pour l'Asie et le Pacifique. Je sais que parfois, c'est Madame, pardon. Je sais que parfois il est difficile de trouver un point commun entre différents États membres, différentes régions. On ne peut pas être uniquement d'un côté. Donc, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous Voilà, comment nous pouvons réagir si nous avons cette conscience différente par rapport à Internet dans différentes régions et États? Est-ce que nous prenons en compte, par exemple, la position d'autres États, notamment les États qui sont plus petits, notamment les petits États insulaires. Je trouve qu'il faudrait ici ajouter l'élément de la confiance parce que c'est un élément très important de cette discussion. Et aussi, je voudrais revenir à ce que Paul a dit lorsqu'il a parlé de ce partage de données, lorsqu'il parlait des opportunités qui sont créées de cette manière. En Asie, dans la région d'Asie et du Pacifique, qui couvre 36 pays, et l'une des tâches majeures consiste à se concentrer sur cette région. Il y a énormément de gens qui habitent dans cette région, donc c'est un sujet qui est très important pour eux. L'accès à Internet, le développement des compétences, des aptitudes. Et nous avons des progrès, nous faisons des progrès dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne peuvent pas vraiment accéder? Beaucoup de personnes commencent à utiliser différentes plateformes, donc médias sociétaux, et en même temps, cela ouvre des opportunités pour développer le commerce électronique. De plus en plus de sociétés s'intègrent aussi à la chaîne globale de valeur. Au moment où il y a les liens qui sont établis, nous voyons qu'il y a des bénéfices pour l'éducation, la santé et aussi pour l'emploi. L'Internet et l'accès et les données qui sont mise à disposition permettent la transformation de la vie de l'homme et aussi la vie réelle socio-économique pour différents pays dans notre région de l'Asie et du Pacifique. Cela est vrai aussi pour les pays qui sont le moins développés, qui sont fermés sur le continent, aussi pour les pays en voie de développement qui sont localisés sur de petites îles. Je suis d'accord pour dire que la souveraineté des données est vraiment essentielle, créer de bonnes normes, de bonnes règles serait très importante. Ceux qui seront connectés pour la première fois à l'Internet savent que leurs données seront traitées de façon tout à fait transparente. Ils sauront aussi ce qui va se passer avec leurs données, avec les données qu'ils génèrent eux-mêmes et qu'ils introduisent, saisissent dans Internet. Et maintenant, pour revenir à la question qui a été posée, vu la dynamique dans notre région, les gens commencent à comprendre l'importance des données qu'ils créent ou des données qu'ils mettent à disposition des autres. Donc, dans le cadre de différents pays, la conscience, la sensibilisation des gens augmente. Néanmoins, actuellement, il n'y a pas de discussion vraiment large pour l'instant, mais on s'approche à cette discussion. Cela rend les choses alors plus complexes parce que tous les pays dans cette région ne sont pas complètement engagés dans la discussion internationale. Je pense qu'on pourra y revenir après lorsque vous parlez de la compréhension politique, de la participation. Oui, bien sûr, c'est aussi la compréhension politique et aussi cette compréhension qui concerne la politique particulière de la vie privée, la protection de la vie privée. Donc, parfois, ils ont cette vue politique, mais elle n'est pas vraiment présente. Donc, nous savons que ce qui va constituer un défi, c'est d'être
S'impliquer pleinement. Nous voulons donc assurer la sensibilisation de la population sans quand même nuire les opportunités économiques et sociales, parce que ces opportunités sont liées à l'accès même à l'Internet. Je voudrais aussi dire que ce qui est crucial dans cette discussion, c'est la question de la confiance. Il faut donc créer de la confiance, bâtir de la confiance et aussi la sécurité dans le cyberespace en soutenant les États membres pour tout ce qui concerne la cybersécurité. Les capacités, l'expérience, les fonctionnalités dans tous nos pays, tout cela sera assuré pour répondre aux défis qui sont devant nous et qui concernent les données. Oui, cela est très important, c'est sûr. Et une chose qui est liée à la question de la localisation, est-ce que c'est la question nécessaire ou bien pour le développement, ou bien parfois on peut l'atteindre. C'est uniquement les grands pays qui peuvent l'atteindre, ceux qui ont beaucoup de compétences dans ce domaine. Ou bien peut-être il s'agit d'un développement et dans ce contexte, la localisation des données peut-être pourrait aider les petites sociétés ou les petits États, ou bien elle renforce la position des grandes sociétés, des grands États. Je voudrais donc revenir à cette question. Maintenant, je vais donner la parole aux représentants de notre continent. Donc, en mettant c'est l'Afrique, Alison Gilwald. Je voudrais qu'elle nous réponde à la question qui est liée à la complexité de la situation en Afrique dans différents pays. Il y a le niveau de questions, le niveau d'avancement est différent. Les standards ne sont pas les mêmes dans tous les États africains. Donc, je me demande, parce qu'on en a parlé, que la souveraineté numérique des données, c'est la question vraiment aussi de contrôle et aussi de la création de la sûreté, de cette certitude concernant ces données. Et c'est la question de la localisation. Veuillez brancher votre micro. Oui, excusez-moi, mon micro n'était pas branché. Je voudrais dire que, oui, absolument, vous avez raison. La question de localisation de données en tant que telle, eh bien, c'est une question très importante. Les pays africains veulent que leur voix soit entendue, surtout lorsque l'argument disant que les pays africains ne possèdent pas d'infrastructures apparaît ou des infrastructures techniques suffisamment développées pour mener des silos de big data. Mais je ne pense pas que ce soit l'argument principal dans ce débat, parce que la première nous concerne le fait que la localisation de données est utilisée par les gouvernements qui voudraient contrôler les données pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques. Et je pense que c'est une prémisse tout à fait bien fondée pour la localisation de données. C'est d'ailleurs lié au développement de l'économie et de l'industrie. Mais ici, nous avons affaire un lien entre les éléments liés à la souveraineté et la légitimisation des États nationaux et les questions liées des règles de fonctionnement et quelle légitimité doit-elle être donnée à un pays souverain. En interne, les États essayent de contrôler ces données pour contrôler leurs citoyens et potentiellement essayer d'avoir un impact sur les droits des citoyens. Parfois, il y a un conflit dans beaucoup de pays en développement. Beaucoup de variantes de cet aspect ont apparu, mais lorsqu'on met de côté tout cela, les aspects politiques, on se penche sur la légitimité et les doutes concernant les données en tant que telles, parce que maintenant, nous savons que les données sont un actif très précieux. Donc, il convient à ce que les gouvernements maximisent les avantages
provenant des données pour en profiter pour leur développement. Mais le problème, c'est que les données sont en silo, ou bien elles concernent les questions politiques, les questions économiques. Mais tout ceci est lié l'un à l'autre. Ici, je passe à l'argument présenté par Cole, qui disait que les données étaient vraiment un actif, un bien commun, mais d'autre part, ce qui est très important, c'est de mentionner le fait que les gouvernements s'intéressent beaucoup aux questions liées à la localisation. La plupart de ce genre de situation fait que nous avons affaire à un certain manque, mais c'est un manque artificiel, parce que les données doivent être un bien public global. Maintenant, elles sont fournies par des entités privées qui contrôlent leurs actifs. Et ce processus est très efficace et beaucoup de personnes peuvent en profiter, mais cela ne signifie pas que les gouvernements voudraient renoncer de leurs obligations par rapport aux citoyens en ce qui concerne la protection de ces données-là. Bien sûr, l'optimisation locale est très importante. Et en même temps, ce qui est très important, c'est la concentration de données dont Paul a parlé, parce que cela permet aux entreprises, par exemple, de ne pas donner l'accès à la concurrence à ces données. Ça ne doit pas être fait au niveau national ou local. Si nous passons au besoin des États membres d'agir au niveau global. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre au niveau national. On ne peut pas fermer de frontières et résoudre des problèmes en interne et assurer un développement numérique adéquat. Donc ici, nous revenons toujours à ce besoin de posséder un système supranational qui pourrait nous permettre de transmettre ces données au-delà des frontières et les protéger en même temps. Merci beaucoup. Merci, Alison. J'ai mentionné le mot supranational. Bien sûr, ça va susciter des alertes, peut-être transnational pourrait être un meur mot. Oui, je veux dire que c'est quelque chose qui va au-delà des États nationaux, parce que les États nationaux ne peuvent pas gérer ces questions-là en interne seulement. Oui, je sais que c'est un sujet épineux. Oui, ce mot supranational est un mot un peu difficile. Bon, ça exigerait une session à part pour qu'on en discute, mais il faut aussi mentionner l'importance de la création des valeurs sociales et économiques pour qu'en donnant l'accès aux données, l'on crée non seulement l'on crée une valeur économique, mais une valeur sociale. Plus il y a de barrières, moins il est possible de créer des valeurs de ce genre. Maintenant, je vais me tourner vers Alice qui pourrait répondre aussi à cette question. Mais nous allons revenir à ce sujet-là. Mais Alice, tu es à la tête d'un groupe dédié à l'ingénierie de l'Internet. Et donc, les données sur les protocoles techniques sont assez répandues. Et ce genre de règles, en fait, sont régis par certaines préférences qui devraient permettre aux outils de se communiquer de façon fluide. Quelles couches techniques sont-elles nécessaires pour introduire des éléments liés à une localisation géographique spécifique? Comment c'est lié à la résistance, la localisation de données par rapport à une meilleure résistance ou un manque de résistance? Vous avez bien formulé cette question et il est vrai que ça vise bien notre sujet, le fait comment l'Internet a été conçu. Eh bien, il a été conçu pour augmenter la communication internationale. Il est censé être transnational, transfrontalier pour que l'on connecte au niveau global le plus grand nombre d'usagers. Et cette idéologie est toujours au cœur du développement des technologies. Lorsqu'on développe une technologie, elle évolue. Et grâce à l'Internet, il nous est possible de connecter toute une série d'outils différents, de réseaux différents. Et donc, nous n'adaptons pas de méthodes par rapport à des pays concrets ou à des réglementations concrètes au niveau national. C'est comme ça que fonctionne le tissu de
l'Internet. Mais en ce qui concerne maintenant les objectifs que nous remplissons, que nous réalisons, si je parle dans le contexte de souveraineté de données, ce qui va au-delà du projet technique, technologique même, ça permet d'introduire certaines limites spécifiques parce que ça a un impact sur un meilleur fonctionnement du réseau, une meilleure communication pour l'usager, un flux d'informations plus rapide, une efficacité plus rapide, l'efficacité du réseau, et une meilleure protection des données et une meilleure configuration de la gestion des réseaux, une simplification meilleure et l'automatisation qui permet de mieux gérer les réseaux. Les ingénieurs et tout le secteur veut que ce ainsi que ça se développe au quotidien. Lorsque nous soulignons la question de souveraineté des données, ça va nous imposer certaines limites, certaines questions. Lorsqu'on parle de certaines localisations spécifiques, il faut aussi introduire dans ce puzzle le fait qu'il faut faire le lien entre le point final et les données fournies. En ce qui concerne la sécurité des données, c'est la même chose. Comment gérer l'infrastructure, les clés de cryptage, par exemple, il faut répondre à cette question où ces clés doivent se trouver, doivent être partagées ou non. Ça nous rend le système beaucoup plus complexe, mais nous voulons d'autre part simplifier ce système, ce qui signifie que ça ne change pas leur méthode de conception de réseau. Mais ce sont des questions qui se passent dans le monde entier. La souveraineté est un sujet très important. C'est pour là que nous ajoutons cette nouvelle couche de complexité. Il faut en savoir et en penser à l'étape de conception des réseaux. Merci beaucoup. Merci, Alissa. Je pense qu'il y a eu un élément très important qui a été déjà mentionné lors de notre réunion préparatoire qui devrait être introduit. On ne va pas se pencher maintenant en détail, mais c'est la différence entre le potentiel des entités concernées pour répliquer des données pour leur propre utilisation l'obligation de les répliquer dans certains endroits spécifiques. Je pense que c'est une différence considérable doit être repensé. Maintenant, encore une chose qui a été dit par Alissa. Eh bien, elle disait qu'il ne faudrait pas avoir une version unilatérale. Et comme Rudolf disait encore, lorsqu'on est chargé de la protection des données, il faut assurer un contrôle, il faut avoir une capacité d'amélioration de création de valeur et améliorer l'accès à certaines informations parce que ce sont des concepts très importants qui sont liés strictement à la souveraineté des données. Ce que dit Alissa, c'est que la manière d'agir va potentiellement nous imposer certaines limites dont elle a déjà parlé, mais nous allons y revenir encore dans la dernière partie de notre session. Maintenant, je voudrais en terminer là avec la deuxième partie de la réunion, maintenant John Murray. John Murray est l'un des pionniers de l'Internet et aussi l'un des premiers à avoir participé dans les travaux du board de l'ICANN. Dans ce débat, nous partons maintenant de cette vision primaire de l'infrastructure. Lors d'une autre session de l'IGF, je comprends qu'il y a eu encore d'autres questions de soulever concernant les priorités des gouvernements. Il doit y avoir des cadres au niveau national pour qu'on puisse agir avec d'autres pays avant de résoudre certains problèmes de nature technique. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu disais auparavant? Oui. Oui, comme nous le savons tous, nous développons l'Internet de façon consciente. Il faut tenir compte, bien sûr, des États nationaux et des frontières en le faisant, bien sûr. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons créé un espace global appelé l'Internet. Donc, il faut savoir en même temps
et tenir compte des informations numériques, des données numériques qui s'appliquent dans des aspects différents. Si l'on arrive à bien gérer ces données, nous allons générer des données qui sont localisées partout. Un autre aspect, c'est la technologie de cryptage qui constitue la meilleure protection de ces données. La localisation de données dans une telle situation ne pose aucun problème. En n'ayant pas de frontières, pas d'États nationaux, nous avons introduit un espace tout à fait nouveau, le cyberespace. Un autre aspect. De l'application de la communication globale basée sur les États nationaux, ça a aussi pu fonctionner. Donc, la question qui apparaît maintenant, c'est quelle est la différence entre un espace national par rapport à un espace global qui a été créé par l'Internet. C'est pour cela que, par le passé, lorsqu'on pensait que le gouvernement était le seul des parties et l'une des parties intéressées, et donc c'était le gouvernement. Et c'est ainsi qu'on a pensé lorsqu'on était à l'étape de la création de l'Internet au sein de l'ICANN. Après, nous avons les opérateurs, ceux qui gèrent l'Internet et la création d'un espace global. Ces aspects-là. Donc, vu des changements significatifs qui se sont opérés, eh bien, nous nous sommes rendus compte que l'Internet devrait être pour tout le monde. Oui, c'est ça, l'Internet est pour tout le monde. Donc, 30 ans après le début du fonctionnement de ce processus, nous en sommes arrivés à un point où c'est devenu la cause commune de tous les citoyens. Donc, il faut maintenant protéger tous les citoyens. Et maintenant, le gouvernement a peur de cet espace Internet commun. Peut-être ça a commencé après l'année 2001, les menaces qui ont apparu après ce qui s'est passé aux États-Unis en 2001. Mais après, les gouvernements ont commencé à penser de plusieurs façons, à penser premièrement à la sécurité et deuxièmement aux questions économiques. Ce sont deux sujets, la sécurité nationale et l'économie, deux sujets différents qui constituent un grand problème à résoudre par nos gouvernements. Donc, la question qui se pose, comment on pourrait agir en gérant en même temps ces deux aspects-là. On passe par à partir d'une première position du gouvernement vers une autre position qui a eu lieu maintenant. C'est ce dont je viens de parler. Quelque chose de très simple concernant cette relation, c'est que chaque État national devrait être responsable en ce qui concerne la sécurité, la confiance et l'espace Internet qui concerne aussi l'intégrité, la transparence et les données. Et donc, c'est quelque chose qui repose sur les États respectifs. En ce qui concerne les relations internationales, les gouvernements doivent parler les uns aux autres en partageant leurs expériences. Mais je pense que, bon, ça a lieu déjà dans plusieurs endroits. Oui. Le changement de droit, de loi dans nos pays nationaux, dans nos pays respectifs, doit être fait. Ça doit être fait en individuel, mais aussi il faut tenir compte des relations entre gouvernementales. Merci, merci, John. Je suis sûre que vous ressentez la même frustration. Je ressens maintenant lorsque je dois vous couper les segments de notre débat pour que l'on respecte les limites temporelles qui nous ont été attribuées. Merci de vos commentaires. Par là même, on clôture le premier segment sur
la sécurité des données, nous allons commencer par la question posée maintenant par Paul avant de passer à la partie suivante de notre débat. Est-ce qu'on peut procéder au vote, Paul? Oui. Procédons au vote. Lançons le vote. Il y aura une question. Puis j'aurai un commentaire à notre débat. Oui. Est-ce qu'on peut lancer le vote? Oui, c'était le premier vote. Maintenant, je voudrais qu'on procède au deuxième vote. Oui, il y a une question. Une question. S'il y a vraiment suffisamment de coopération internationale entre les parties intéressées pour gérer les abus en ligne. Vous voyez les réponses. 2 minutes à répondre. 2 minutes pour répondre au questionnaire. Maintenant, je voudrais citer les commentaires et lire ce qu'il y a sur le chat. Le premier commentaire est très intéressant selon moi. Eh bien, il se réfère au concept que la protection des données est-ce que la protection des données personnelles est l'élément de l'autodéfinition d'un être humain? Parce que justement, il y a eu une conférence récemment très intéressante là-dessus. Il y a un autre commentaire qui voit la différence entre plusieurs types de données. Lorsqu'on parle de souveraineté de données, souvent on parle de données personnelles et le Et à part cela, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont aussi liés à d'autres types de données, les données industrielles. Et un autre commentaire que je voudrais présenter du chat concerne ici la raison pour laquelle il y a certaines limites qui sont introduites par des gouvernements. Mais c'est aussi un élément de contrôle qui est introduit par rapport aux données qui sont stockées et pourraient être utilisées avec succès de manière publique. Sur le forum public, oui, regardons les résultats. Pour encore une fois, nous voyons plus de 70 pour cent de répondants qui sont persuadés que nous n'avons pas vraiment suffisamment de coopération internationale. Peut-être un niveau moins élevé qu'auparavant lors du vote précédent, mais c'est un message assez clair qui reflète les statistiques dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'il manque suffisamment de coopération et coordination entre les parties intéressées, aussi en ce qui concerne les questions juridiques. Maintenant, je voudrais passer à la section suivante de notre session. Je voudrais dire qu'il y a un grand débat en ce qui concerne la désinformation. Il y a aussi beaucoup d'autres défis concernant la sécurité dans le réseau, de la fraude. Mais il y a un tel paradoxe que je voudrais souligner. Et bien que les proportions, le nombre de faux messages sur des plateformes est relativement peu significatif, ça va jusqu'à 1% seulement par rapport au nombre de commentaires qui apparaissent. Mais vu un grand volume de contenu, les valeurs, les nombres absolus sont vraiment... Ce sont des centaines de millions de commentaires qui apparaissent par an sur une seule plateforme. Donc, il y a un grand paradoxe entre un pourcentage infime de ces commentaires, mais aussi un grand nombre absolu. J'ai dit qu'il y a un grand défi pour ceux qui régissent les règles de tout cela. Maintenant, je voudrais donner la parole à Alison pour qu'elle nous réponde à la question fondamentale: comment assurer la coexistence des millions, des milliards de personnes sur ces plateformes-là qui
peuvent avoir une approche différente à des systèmes juridiques, par exemple l'Afrique. Là-bas, il y a beaucoup de différences religieuses et juridiques, etc. Comment se déroule ce débat en Afrique concernant cette question? Est-ce qu'il y a un débat continental concernant la liberté de l'expression, des commentaires agressifs contenant de la haine? Et comment se comportent les plus grandes plateformes? Merci Bertrand. Je pense que tout cela revient au changement, évolution vraiment cruciale qui concerne la communication et la globalisation de la communication. Mais maintenant, il ne s'agit pas seulement de régulation concernant le contenu qui pourrait être établi au niveau national. Nous pouvons avoir un système de plaintes, de traitement de plaintes ou bien de règles positives concernant la langue, par exemple, pour avoir un impact sur l'espace public. Maintenant, nous avons affaire à quelque chose qui a complètement détruit l'ordre traditionnel. Nous avons donc besoin de normes qui seront une nouvelle fondation. Nous avons donc différents systèmes normatifs qui sont concurrentiels les uns par rapport aux autres et qui mettent en place certains consensus, certaines règles au niveau régional. Mais au niveau global, ceci est beaucoup plus problématique. Il y a différentes initiatives prises par l'Union africaine. Il y avait aussi certaines conventions concernant la protection des données, tout cela fait partie de standards de traités traditionnels, mais pour adopter ces documents au niveau national, c'est vraiment le minimum. Il me semble donc qu'il y a très peu de personnes, peut-être 5 à 12 en Afrique, qui signent ce type de traité. Et donc, ceci n'est pas mis en place au niveau national. Plusieurs parmi ces conventions qui sont en ligne les unes avec les autres, ce sont les documents qui sont basés sur l'état de droit, sur la déclaration des droits de l'homme. Donc, tout ce qui est normalement n'est pas appliqué dans différentes parties du monde. Donc, même si ce pays veut bien sûr participer à la circulation libre, mais veulent aussi contrôler ou limiter certains droits de leurs citoyens. Ce qui veut dire, donc en fait, cette gestion de cette plateforme qui est très complexe, très compliquée, et maintenant assure l'harmonisation. Et c'est une tâche très difficile et au niveau international, on le fait quand même. Et maintenant, pour ce qui concerne le contenu, la diversité des contenus, donc tout cela revient à ce cadre qui permet de régler, de gérer les questions très variées. Il y a aussi ces éléments ethniques. Donc, ce n'est pas la question de la manipulation de contenu, mais plutôt de la manipulation de contenus qui permet... qui le crée. Donc, on ne peut pas parler de l'Afrique en tant qu'une seule région. Cette Afrique est très, très diversifiée. Il y a des pays où le cadre légal est vraiment très fort, qui contient de règles concernant le discours de la haine, mais aussi il y en a d'autres. Donc, cette coopération globale concernant la gestion de ce processus est vraiment cruciale, notamment parce que certaines manifestations peuvent être visibles au niveau de notre continent, mais la vraie source de ces problèmes se trouve ailleurs, comme c'était pour Cambridge Analytica. Donc, il me semble que ce qui se passe actuellement au niveau légal en Afrique, ce sont des choses plutôt positives. Donc, on voit ce cadre légal qui permet d'effacer certains contenus qui sont agressifs, qui sont nuisibles. Nous sommes aussi en mesure de mettre en place certains mécanismes pour protéger les données. Merci, Alison. Maintenant, je voudrais te poser encore une question. Est-ce que tu trouves que les entités africaines, je ne parle pas uniquement des gouvernements, mais aussi du secteur privé,
participe suffisamment à la discussion globale et aux régulations globales en ce qui concerne ces plateformes globales, les plateformes sur lesquelles qui offrent les services numériques. Les décisions qui sont prises au niveau global et qui auront un impact sur tous les utilisateurs de ces plateformes partout dans le monde, est-ce que ce sont les décisions qui sont prises uniquement par certaines entités, donc autrement dit, est-ce que tu crois que la participation des entités africaines est suffisante? Mais non, sûrement pas. Nous avons fait nos propres études concernant par exemple la participation à FGI, mais aussi dans d'autres forums. Et non seulement les représentants africains ne s'engagent pas trop dans certaines négociations, il ne faut pas faire des silos, il ne faut pas procéder ainsi. Parce que si nous, par exemple, parlons de des taxes, des impôts, cela pourrait créer de problèmes au niveau national. Donc, il y a au moins la moitié des pays qui sont en dehors de tout cela parce qu'ils ne développent pas leur économie. Il y a d'autres pays qui agissent, qui fonctionnent différemment. Donc, il faut vraiment se mettre autour de la table et non seulement adopter les conventions qui sont basées sur certains intérêts ou qui représentent les intérêts des autres, il faut vraiment lutter pour que nos propres intérêts, les intérêts de nos citoyens soient reflétés. Encore une fois, donc on parle de ce silo dont on n'a pas besoin. Donc, pour détruire les silos, c'est vraiment la musique pour mon oreille. J'apprécie vraiment cette tendance. Nous avons vraiment très peu de temps, donc je voudrais maintenant donner la parole à Rodolphe pour vraiment quelques minutes. Et je voudrais te demander d'être vraiment concis. Donc l'Allemagne est vraiment le pionnier dans différentes questions concernant le contrôle de contenu sur différentes plateformes internationales. L'Europe est en train de préparer sa propre loi concernant le service numérique. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur la perspective temporelle de cette loi, aussi la directive concernant le e-commerce, aussi dans quelle mesure on a pris en compte la différence entre la responsabilité ou le partage de responsabilités en fonction, selon les entités dont on parle. Voilà, en quelques mots. Merci Bertrand. Je ne sais pas si on me voit ou non. Donc, cette solution légale, lorsque nous avons planifié notre présidence, nous savions que ce que nous devons traiter, c'était le service numérique. La proposition précédente de la Commission était prévue d'être mise sur la table jusqu'à la fin de l'année, donc probablement ce ne sera pas notre présidence qui va travailler la question. Pour clôturer le sujet, il faudrait donc attendre 2 ou 3 semaines avant que la proposition ne soit soumise en débat. Il faudra bien sûr avoir une discussion au sein du Conseil, probablement dans le premier mois de l'année prochaine. En ce qui concerne ce fonctionnement allemand, tu n'as pas parlé de notre solution, mais je pense que les opérateurs à certaines choses, en ce qui concerne par exemple le discours de la haine et aussi d'autres actions qui sont reconnues comme criminelles. Et cette solution fonctionne depuis 3 ans. Nous avons donc des expériences assez positives. Et ce que nous craignons le plus, c'était le blocage excessif. Et cela n'a pas été réalisé. Donc, on avait l'impression que les opérateurs vont utiliser trop cette solution. Mais finalement, nous croyons que c'est une bonne base pour construire quelque chose au niveau européen.
parce que d'une part, nous devons rendre les plateformes responsables. Donc, nous ne pouvons pas donc les charger de créer leur propre loi, leur propre solution législative. Et nous croyons que, nous considérons que cette solution que nous avons en Allemagne est assez balancée, équilibrée. Ce sont les évaluations qui le prouvent. C'est la loi qui a été déjà évaluée et nous voyons que cette loi fonctionne bien. Donc, les règles que nous avons prévues au niveau national fonctionnent bien, ont fait leurs preuves. Il n'y a pas de temps pour que je puisse vous parler en détail, mais il n'y a rien d'extraordinaire ici. Il n'y a pas de nouvelles obligations qu'on imposerait aux opérateurs de réseau. Tout cela est basé sur le code pénal existant et applicable. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de nouveaux éléments ici en ce qui concerne le fonctionnement de ces plateformes. Donc, tout se base sur la loi existante. Voilà, c'est tout. Merci, Rudolf. Il me semble que le CG est un très bon exemple qui montre que nous pouvons apprendre beaucoup en ce qui concerne la mise en place de ce type de règles dans différents endroits. Bon, le temps coule, je voudrais encore donner la parole. Je m'excuse auprès de Paul Mitchell parce que je voulais lui poser la question concernant le territoire, le paramètre territorial. Sa société est plutôt concernée par cette thématique, mais maintenant je voudrais quand même ouvrir la discussion. Je m'excuse parce que cette discussion sera vraiment courte. Aïsinko Goswarski, qui nous réjouit, rejoint de la Russie. Il représente le gouvernement. Je voudrais vous poser une question. C'est comme Alison a mentionné, les décisions qui sont prises dans une dimension peuvent impacter d'autres dimensions, notamment si nous avons affaire à un pays, lorsqu'il y a le droit, la loi concernant la localisation des données, notamment les données à caractère personnel, on risque d'avoir des conséquences parce que tel ou autre pays risque de ne pas avoir fait la localisation conformément à cette loi. En Russie, cette exécution peut avoir lieu. Est-ce que tu pourrais, bon, brièvement si possible, nous raconter un peu les justifications de droit de localisation concernant les données et nous parler de limitations concernant l'accès au contenu, la protection de la vie privée? Bonjour, mesdames et messieurs, merci monsieur de la Chapelle de m'avoir donné la parole, de m'avoir donné la possibilité de répondre à cette question. Je voudrais vous dire quelques mots concernant ce que nous faisons dans le domaine de la confiance. J'ai écouté la discussion, j'ai écouté les interventions, tout ce qui a été dit ici, et notamment je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui ont dit que la confiance ne pourra être établie que lorsque nous avons l'approche homogène. En revanche, en ce qui concerne le blocage de services ou le blocage de certains services en Russie, à ma connaissance, il y a un seul exemple, LinkedIn, qui a été bloqué en Russie parce que la procédure de gestion des données n'était pas correcte. Nous avons certaines lois en Russie qui concernent notamment la localisation des données. La loi russe concernant la gestion des données. Et c'est la seule raison pour laquelle LinkedIn a été bloqué en Russie. Pour le reste, il y a certaines discussions de conflits avec les autorités russes.
En 2 minutes, je voudrais vous dire encore quelques mots sur la confiance. Qu'est-ce que nous faisons dans le domaine de la confiance au niveau national? Pour l'instant, je n'ai pas de traduction. Excusez-moi, j'entends toujours la traduction parce que monsieur parle en russe. Mais excusez-moi, mais je ne peux rien faire parce que monsieur parle en russe. Pour l'instant, je n'ai pas de traduction. Mais je dois t'interrompre. Bon, voilà, donc je veux quand même parler en anglais. Voilà, donc parce qu'il y avait un problème. Donc, en ce qui concerne les investissements réalisés par le gouvernement russe et la confiance, nous avons un grand système de gestion des événements. C'est un système qui fonctionne depuis 2 ans. Et nous avons beaucoup de commentaires. Si nous voyons que quelque chose se passe qui n'est pas correct, bien sûr, nous pouvons le décrire, je sais pas, sur Facebook ou un autre réseau sociétal. Et cela nous permet, bien sûr, de réagir rapidement. Et les autorités qui sont responsables, qui sont en charge de cette thématique, peuvent réagir rapidement. Nous avons aussi 200 000 environ. 200 000 commentaires ou remarques comme ça qui sont communiquées par moi. Cela concerne donc des cas bien précis. Les personnes du monde entier peuvent donc signaler aux autorités de problèmes, suggérer aussi des solutions. C'était très utile. Donc c'était très utile vu la pandémie COVID-19. Cette communication directe était très utile pour lutter contre les fake news, contre les informations fausses qui étaient répandues, vulgarisées partout dans le monde, finalement, non seulement en Russie, concernant le 5G ou autre chose. Nous avons organisé un grand système de réponses courtes de la part des autorités. C'est pourquoi ces informations de la part de gouverneurs ou de leaders de région, donc c'était des informations qui sont faites publiquement, qui sont communiquées publiquement, et beaucoup parmi ces personnes publient aussi chaque mois des transmissions vidéo en ligne pour répondre à toutes les questions qui peuvent apparaître. Donc, nous investissons beaucoup. Nous investissons beaucoup en la confiance. C'est pourquoi nous voyons cette situation que nous avons. Donc, les gens ne sont pas préparés à cette digitalisation, numérisation tellement rapide. Et la question suivante, est-ce que nous devons créer une sorte d'indicateur de confiance pour différents pays? Et ça devrait se trouver sur une plateforme uniforme. Ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Voilà. Et merci pour les efforts.
d'avoir communiqué les choses en anglais. Merci pour cette intervention. Et maintenant, en ce qui concerne la coopération, qui nous permettra d'identifier bien les participants, c'est un sujet vraiment large. Et c'est l'une des composantes de la coopération entre différentes entités. Mais la question est maintenant de savoir quelle sera la distribution des rôles. On devrait donc savoir quels seront les rôles attribués à différentes entités. Et il y a donc différents groupes de parties prenantes qui peuvent ensemble traiter tel ou autre problème concernant les contenus nuisibles, agressifs. Et maintenant, si le cadre sera plus ou moins mutualisé, ça dépend aussi de la volonté de la convergence. J'ai posé la question concernant les conséquences non voulues, non intentionnelles de cette, concernant la localisation en Russie et quel peut être l'impact. Il y a des conséquences, par exemple, de la directive concernant RGPD qui n'ont pas d'impact sur certains services américains qui ne desservent pas l'Europe, donc qui ne doivent pas vraiment être concernés par le RGPD. Donc maintenant, si on fait le lien entre ces différents silos, c'est quelque chose dont Alison nous parlait, c'est quelque chose que nous devons faire. Sans cela, on aura des domaines tout à fait séparés. Merci. Et maintenant, je dois faire le point. Je dois faire le point sur ce panel, sur cette rencontre. Et maintenant, la dernière question pour faire le vote. Et après, nous allons donc passer directement. Voilà, donc la question est là. Est-ce que les politiques numériques devraient prendre en compte les limitations technologiques liées au réseau? Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Et lorsque vous allez voter, je voudrais m'adresser. Je voudrais qu'on réponde à la question courte. Donc, il y a une différence entre le débat concernant la fragmentation et l'Internet existant maintenant. Et une autre question qui concerne le concept de ce que Huawei et la Chine introduit. Voilà, je sais que le secrétariat ne peut pas, en tant qu'organisation internationale, prendre une position particulière là-dessus, mais comment vous faites? Quel est l'état de la discussion? Où vous êtes avec cette discussion? C'est une question qui vraiment a tendance à polariser le nouveau IP. Et comment les différents pays en Haïti traitent cette thématique? Est-ce qu'il y a un risque qui est visible dans tout cela? Je parle du point de vue de la population tout entière, parce que sans cela, tu ne pourras pas répondre. Oui, c'est une question très importante. Merci de l'avoir posée. C'est lié strictement à cette coopération internationale qui est insuffisante. En fait, lors de notre émission, j'ai consulté mes collègues du siège et cette position d'un nouveau IP qui pourrait avoir un impact sur les réseaux en ligne. Bien, ça a été proposé par China Mobile et Huawei. Au groupe de reporting en septembre 2019. Donc, c'est une question qui se déroule dans le cadre du débat lié à la standardisation. Certaines mesures qui ont été prises par rapport à cette proposition nous ont permis de publier une position commune et des groupes de travail au sein de l'ITU. Parce que au sein de cette organisation, nous avons toute une série de groupes de travail, de recherche qui gère la relation entre la politique et l'interface, l'Internet. Donc, ce groupe de travail
qui avait pour but d'élaborer les mesures à venir, gérer ce sujet et donc à l'issue de ces débats à publier une position commune. La souveraineté des données et la localisation de données, ce n'est pas une question qui est liée seulement à un nouveau IP, mais il y a plusieurs groupes de travail, groupes de recherche qui gèrent certains éléments très larges, par exemple la standardisation, la normalisation, les réseaux de l'avenir, etc. Et ici, on parle de certaines sécurités de l'utilisation des technologies de l'information, le groupe de travail sur les villes intelligentes, etc. Comme nous n'avons pas vraiment de temps pour entrer dans les détails du travail, mais il y a un espace au niveau international où l'on pourrait partager les résultats de nos recherches, nos opinions et nos idées, et aussi dans le cadre de l'IT. Donc, par cela, je voudrais encourager tous nos participants à ce qu'ils prennent part au débat pour établir des normes internationales qui nous manquent maintenant, selon vous. Je te donne la parole encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Oui, certainement, c'est un sujet que l'on ne voudrait pas vraiment oublier. On va observer cette situation. Maintenant, passons à Alissa. Alissa, est-ce que tu peux nous commenter cette situation brièvement, surtout vu le fait que tu avais dit que lorsqu'il y a un débat sur un nouveau IP, ça te fait penser à certains défis auxquels est confronté ou auquel toute la communauté est confrontée en ce qui concerne le changement du protocole numéro 4 et le protocole numéro 6. Nous voyons que les changements sont vraiment considérables et peut-être qu'il faudra vraiment les appliquer. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Oui, avec plaisir. On ne t'entend pas. C'est vrai? Non. J'ai branché mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend? Oui. Seulement vous ne m'entendez pas. Bon, d'accord. Est-ce qu'Alissa a branché son micro? Oui, il y en a qui m'entendent, il y en a qui ne m'entendent pas. Oui, on t'entend, Alissa, nous on t'entend. Mais Bertrand ne t'entend pas. C'est bizarre. Est-ce que tout le monde entend Alissa? Oui, les intervenants entendent Alissa. Ça veut dire qu'on a affaire à de la fragmentation. S'il y en a qui ne t'entendent pas, il y en a qui t'entendent. Bertrand, tu ne m'entends pas, c'est ça? Bon, peut-être je vais parler à ceux qui m'entendent. En ce qui concerne l'IP, ici, nous ne voulons vraiment pas avoir affaire à de plus de fragmentation parce qu'il s'agit d'une infrastructure clé qui rend l'Internet une structure unique parce que nous avons affaire ici à un système global. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'au niveau de l'API, on ait affaire à de l'harmonisation pour que les données et la connexion se fassent de façon facile dans le monde entier. Les arguments et la motivation liés à la création quelque chose qui ne serait pas interopérationnel avec l'IP et qui ne permettrait pas aux investissements qui ont déjà été faits, des milliards qui ont déjà investi dans le réseau, ce seraient des arguments vraiment impensables parce qu'il y aurait beaucoup de pertes. Lorsque nous nous penchons sur les propositions liées à l'IP, il n'y a pas d'argumentation viable. Donc, certaines solutions ont déjà été soulevés et on a déjà appliqué ces solutions en conformité avec les normes déjà existantes. Donc, de notre perspective, ce n'est pas fondé, ce n'est pas justifiable, cette nouvelle fragmentation. Comme Bertrand l'a déjà dit, nous avons de l'expérience là-dessus. Nous avons fait un grand effort pendant des années pour que l'IPC
justice puisse être introduit pour assurer cette compatibilité qui est nécessaire. Donc, nous considérons que les efforts globaux de nos ingénieurs liés à la création de l'IP6 sont vraiment considérables pour qu'il y ait cette interopérabilité entre l'IP4, l'IP6 et l'interopérabilité avec d'autres technologies. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, oui, parce que c'est moi qui ai des problèmes à entendre tout le monde. Pendant un instant, je n'ai pas bien écouté, je n'ai pas pu entendre, mais quand même, j'ai entendu quelque chose de très important. Vous avez la question des barrières et que les investissements soient justifiables, tout ce qui s'agit du passage d'un système à l'autre. Donc, je voudrais m'en tenir à des règles précises. Il y a des personnes qui vont maintenant participer à notre session qui est après la nôtre. Donc, je voudrais par là même m'excuser auprès des personnes qui n'ont pas pu s'exprimer. Maintenant, je voudrais poser la question, vu l'étude d'impact, est-ce qu'il est bien que des entités concernées puissent faire cette étude d'impact pour savoir quels sont les résultats de leurs décisions sur la vie des autres sociétés, sur le fonctionnement des autres États en ce qui concerne la vie privée, la protection des droits de l'homme? Est-ce que ça a un impact sur l'économie, etc.? Est-ce que ça a un impact sur la sécurité, sur les droits de l'homme? Ce concept d'études d'impact serait l'un des aspects très importants dans le contexte de comportement responsable entrepris par les parties concernées. À la fin, je voulais dire que je suis vraiment ravie. Merci d'avoir montré d'ailleurs les résultats de notre vote. Ce vote a été fait avant les commentaires, mais vous êtes d'accord que avec cette mention sur l'architecture technique, le respect par rapport à l'architecture technique. L'idée est telle que l'interface entre nos sociétés, entre les représentants du monde politique et le personnel technique doit être renforcée parce que maintenant nous nous retrouvons dans un espace où ces entités ne voient pas cette interface, elles n'ont pas cette relation étroite. Je suis vraiment impressionnée aussi par l'échange qui a eu lieu sur le chat. Donc, encore une fois, je voudrais souligner que nous allons essayer d'intégrer les remarques du chat au rapport à notre débat. Pour finir, je voudrais dire une chose, deux choses en fait. La première, eh bien, comme ça a été déjà dit, en ce qui concerne le concept de l'étude d'impact, je ne serai pas perfectionniste, mais vous savez que la philosophie d'Emmanuel Kant, son concept d'impératif catégorique est bien connu. Ça veut dire que lorsque cet impératif est appliqué en politique, lorsque une entité, un gouvernement, une entité privée ou la société civique veut agir d'une certaine manière, elle veut aussi se poser une question. La question suivante, est-ce que je voudrais que le reste du monde applique les mêmes règles? Si la réponse est oui, eh bien à ce moment-là, ça peut être une bonne mesure. Si la réponse est « oui, je voudrais le faire parce que ce serait profitable pour moi, mais je ne voudrais pas que les autres le fassent », bien, à ce moment-là, je pense que ça nécessiterait une réflexion. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que j'espère que j'ai mené ce débat de manière à ce que, si vous entendez « souveraineté numérique » de manière c'est-à-dire comment la souveraineté se fait-elle dans une ère numérique. Il y a un grand débat qui se déroule maintenant, c'est un grand défi. Il y a beaucoup de paradigmes qui sont liés, par exemple, les activités extraterritoriales, ils sont liés, dont on pourrait peut-être parler plus davantage. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'on peut soulever des sujets grâce au dialogue et à la coopération avec toutes les entités concernées. Sinon, l'on prend seulement des décisions unilatérales. Des décisions peuvent être prises qui ne seraient pas favorables pour le reste, pour tout le monde. Une citation à la fin
L'un de nos participants, il disait que la gestion des cadres juridiques différents appliqués pour l'Internet est beaucoup plus complexe que le développement, la création de ces cadres juridiques. Il s'est exprimé ainsi lors d'une conférence organisée à Paris. Deuxième citation, Kofi Annan, en 2004, a dit « En créant la gestion de l'Internet, il faut être tellement créatif comme ceux qui l'avaient fait, l'avaient créé. » Et la dernière citation est la suivante, c'est là, Elino Ostrom. Le lauréat du prix Nobel d'économie, cette citation, on peut la retrouver dans une des salles à Berlin lorsque nous avons organisé la troisième conférence globale sur la politique globale et l'Internet. Il dit la chose suivante, l'objectif principal de la politique publique est de soutenir le développement des institutions qui puisent des gens ce qui est de meilleur. Il y a de meilleurs. Donc, ainsi, je voudrais terminer notre réunion, notre session. Je vous souhaite des réunions fructueuses, des sessions fructueuses. Je voudrais féliciter nos participants et nos intervenants. Merci à ceux qui ont participé au chat et merci à notre équipe technique, à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette session. Merci. Bonne journée. Bonne session à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.